soir, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. La Crime, ton album, ton dernier album s'appelle Force et Honneur. Disque de platine d'ailleurs en seulement 3 semaines, ce qui est quand même pas dégueu quand même. Hein, honneur, principe et valeur. On va en profiter justement pour tester ta force et ton honneur. Le jeu va se dérouler en 3 étapes. Pour tester ta force, tu vas faire un bras de fer avec quelqu'un. Mais d'abord, en échauffement, je te propose un bras de fer avec Marion ici présente. Bah, je vais me faire rétamer. Mais non, attends. Et tu sais, parfois, Marion, la vie, c'est ça, c'est les surprises. D'accord. Donc, si vous voulez bien vous installer, nous avons installé dans le studio de Fun Radio une table de bras de fer, mais une vraie table de bras de fer. Hein. Donc, c'est le truc qui fait à peu près ma taille, donc 1m50. Je sais pas comment ça marche. Et donc, ils se mettent donc d'un côté l'un de l'autre et ils vont pouvoir faire un bras de fer. Aïe, aïe, aïe. Allez-y, installez-vous les gars. Ah, sacré fun. Ouais. Ok. Vous m'entendez là ? Yes. Ouais, on t'entend très bien. Donc il faut s'accrocher une main sur une petite barre en fer et l'autre, bon bah pour faire le bras de fer. Quoi. Exactement. Vous pouvez mettre la main l'un dans l'autre et quand je dirai top, vous pouvez y aller, d'accord ? Okay. Allez, 3, 2, 1, top. Oh bah non, tu penses pas. Ah bah. Va. Bah. Eh les gars, je suis plus forte que la Crime. Non, non, toujours pas. Hein. Ah, ça y est. Le gars m'a laissé gagner. Hein. Oui, franchement, sérieux, la Crime est gentleman. C'est un gentleman, franchement. La Crime reste là parce que c'est pas fini. La deuxième étape va se dérouler avec une nouvelle personne. Faites entrer cette personne, s'il vous plaît, dans le studio. Ah oui, alors attention, là, on passe à un autre level, je vous le dis. C'est plus la même chose. Bonsoir, jeune homme. Il s'appelle CSB. C'est un Américain. Oui, ouais, exactement. Ça compte pas. Il nous vient de Philadelphie. Tout à fait. Il a fait beaucoup de routes. Ouais, rien que pour le night show. Rien que pour le night show. Il nous vient de Philly. C'est pour ça que je vais gagner. Il arrive de Philadelphie. Exactement. Alors attendez, il faut quand même décrire la personne. Attendez, maître Guinness. Il mesure 2 mètres. Exactement, il fait l'entertainer, c'est cool. Bon les gars, est-ce que vous êtes prêts? Attention, les gars, fait 1m96, il a des muscles, c'est un délire. Hein. Maître Gims va faire l'entertainer. Gims, c'est à toi. Alors, il nous vient de Philadelphie, il s'oppose à Karim Zeroud ce soir. Alors, il paye pas de mine comme ça, mais Karim est très à l'aise. Je vous rappelle que Karim a entraîné ses muscles très longtemps, donc il est totalement préparé. L'Américain a l'air d'avoir très peur, mais ça ne se voit pas. Donc, les paris sont lancés. Allez, moi je parie pour la Crime. Allez-y, allez, les gars, c'est les parti. Gars, 3, bras de fer. 2, 1, top, c'est parti. Ouais, hey. Le truc, c'est que la crime, il est gaucher, donc là, il est pas dans son avantage. Hein. C'est facile. Rappelle que Zeloud est gaucher. Il va pouvoir, je pense qu'il va pouvoir gérer facilement. Je vous rappelle qu'il est vice-champion du monde. Attention. Et qu'il remet sa ceinture en jeu ce soir. Et on a même un arbitre professionnel de bras de fer qui est en train de leur donner la règle du jeu. Oui, l'arbitre Shevchenko qui a lui-même participé à la finale de l'an dernier. C'est énorme, l'arbitre est là en tenue et tout. On remercie il a d'ailleurs. En tenue, Shevchenko, je vous rappelle qu'il a brutalement quitté l'Ukraine suite aux menaces de son clan. Alors, attendez, pour l'instant, c'est serré. Donc il a failli se faire tuer, donc il est venu se réfugier en France. Bref, ce n'est pas notre problème, on se concentre c'est sur parti. Le bras de fer. Oula, oula, ça, oula là. Let's go. Et ça tremble hein, les gars. Allez. Et pour l'instant, ça tient du côté de la Crime, alors qu'il y a des muscles hein, du côté de notre adversaire. C'est un truc de malade. Attention à la Crime. Ah, la Crime remonte. La Crime remonte. L'arbitre comment veille au grain. La Crime, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et ça, tremble, hein. Il veut pas lâcher la Crime, c'est lourd. Oui, vas-y, vas-y. Let's go, please. Il a utilisé les deux mains. Il est fort. Bravo. Ah ouais. Bravo. Il est pas mal. Et tu sais quoi? Au vu de l'état de fatigue, ouais. Pense que le troisième level va se faire avec Gims. Ouais, Gims, la troisième étape va se faire avec toi, Gims. Oh là là, tu vas me venger. Ouais. Ouais, je vais te venger. La Crime, si tu veux faire l'entertainer, tu peux. Hein. Oui, je vais. Regardez. Gims, installe-toi, s'il te plaît. Ton adversaire. Elle est magnifique. Elle est sublime. Gims, si tu veux bien t'installer. Alors, c'est une femme qui est rentrée, elle s'appelle Nathalie Camus, elle est bodybuildeuse. Ah ouais. Et je vous le dis, elle a un corps assez incroyable, assez impressionnant. Bravo madame. Elle pratique ça depuis qu'elle a 17 ans, elle est championne de France LFBB, championne de France NAC, championne du monde NAC aussi. Waouh, c'est magnifique, allez-y.
Mettez-vous Miss en place. Miss Univers. Miss Univers, eh bien, Miss Univers, je t'en prie, installe-toi. Allez-y, les gars. Allez, face à Maître Gims. Et c'est pas parce que c'est une femme qu'il faut y aller mollo, hein. Tu y vas, hein. T'inquiète pas pour elle. Hein. Je te le dis, elle a rien à craindre. Hein. Branchez-vous, on est en direct sur Facebook Live, évidemment. Et si vous débarquez, c'est le Night Show. On est en direct jusqu'à minuit avec nos invités Maître Gims et Lacrim. Et là, on est en plein concours de bras de fer. Hein. Donc, c'est Maître Gims face à une bodybuildeuse professionnelle qui a des muscles. Je vous raconte pas. Bon, bah, les muscles, pff, c'est énorme. Hein. Bah, c'est-à-dire que moi, je fais des squats, ça vient pas, quoi. Hein. Alors, l'arbitre est là, toujours. Je vous rappelle que c'est un arbitre professionnel. Ah bon, on a changé d'arbitre, tiens. Ouais, il y en a plusieurs. En revanche, Nathalie est très 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 concentrée. Très concentrée. Ouais. Il y a du petit défi, mais... Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal. Pour l'instant, Gims. Aïe, 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 c'est Gims. Bravo. Bravo, les gars. Franchement, bravo à tous, parce qu'il y a du muscle, les amis. Ouais. C'est assez impressionnant. Nathalie se secoue le bras. Elle a mal, mais vous avez tous été extrêmement bons. Bravo à tous les quatre. Ouais, franchement, bravo à tous. Vous avez tous... On a tous perdu. Bien, tous, ouais, c'est un peu ça, c'est ça. Ouais, et vous avez tous de la force et de l'honneur, c'est ça qui est bon, quoi. Merci aux bras de fer Paris qui nous ont prêté la table, les arbitres, la totale. Sans déconner, on va vous mettre toutes les infos sur nos réseaux sociaux. Ils sont au top. Est-ce qu'on peut avoir vos impressions, les garçons, juste après ça? Ah oui, la dame est impressionnante. La dame est impressionnante, dit Lacrim, effectivement. Oui, bah, elle fait ça depuis 17 ans, donc forcément, elle a eu le temps de développer tout ce qui est muscle, quoi. Voilà. Mais vous en êtes très bien tirés, franchement, je suis fière de vous, bravo. Alors, nous sommes actuellement avec Sarah et Nina. Elles ont un salon à Citadium, si vous êtes parisien, vous connaissez. Et elles sont très fortes, elles font pas que des trucs dégueulasses, hein. Elles font des trucs très jolis aussi. Tu vois, je les fais bien rondes, hein. Bien musclées. Bah, c'est exactement comme les miennes. Voilà.